Salut tout le monde, c'est ProX Legend, comment allez-vous mes amis? Moi ça va, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo exceptionnelle! L'Easter Egg de la map Nuketown 2025. Ouais, ouais, Narmol! Un Easter Egg en map multijoueur, ouais. Ça a été découvert par un Américain du nom de Choucroute Boy ou Shovemania, enfin moi je ne sais pas trop du tout son nom. C'est un pote à moi qui m'en a parlé, c'est S4U Pyrrhic, voilà, qui m'a dit qu'il y avait un historique dessus. Il m'a dit ce qu'il fallait faire, donc le but, c'est tout simple. Il faut dégommer toutes les têtes de mannequins en moins de 2 minutes. Donc vous mettez en MME, vous mettez 10 minutes de temps de partie, et vous devez dégommer toutes les têtes avant la 8ème minute. Donc à 8-0-0, il faut que vous ayez dégommé toutes les têtes, et je ne vous spoil pas, on va partir directement. Donc autant vous dire, mes amis, que ça vaut largement le coup de faire ce truc plutôt que de faire l'easter egg de transit. Voilà, si vous voulez vous amuser, je crois que c'est mieux de faire Nuketown 2025 avec vos amis. D'une, ce sera plus simple pour trouver les têtes, et de deux, bah, au moins vous avez quelque chose de concret au final et pas genre un petit bonus qui se borne sous de la tour de temps en temps, quoi. Enfin bref, voilà, alors c'est parti. Alors, déjà, moi je commence toujours par regarder autour de moi, donc allez, c'est parti. Je me concentre parce que franchement, trouver justement ces têtes là, c'est limite un exploit. J'ai vu qu'il y avait une madame devant la porte, j'irai la chercher après, j'irai lui mettre une race. Voilà, ensuite là il y a une madame, voilà, on va descendre, monsieur, je t'ai dégommé, c'est bon. Là normalement il y a une madame, il y a un monsieur là, non, non, c'est une madame qui aime bien les pommes. Bonjour mademoiselle, ici il n'y a rien du tout dans le garage, logiquement il y en a un, mais c'est pas tout le temps, hein. Je veux dire les trucs qui... D'accord, les trucs qui bougent tout le temps, hein, je vous le dis tout de suite, ça sert à rien d'essayer de mémoriser. Oh c'est pas possible, hein. Oh la MP7 de ce jeu! Ah, quoi? Non, j'arrête de craquer. Je préfère tirer avec un pistolet. Au moins, je sais que je suis plus précis. Ou pas, hein. Enfin, bref, voilà. On est reparti. Alors, des fois, ils peuvent se trouver hors map, genre ici ou voilà, ici. Des fois, les deux, carrément. Donc, essayez de bien faire attention. Il me reste plus qu'une minute. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. Donc, là, ça devrait être bon. Il n'y a rien dans le camion. Si, monsieur. Ha, t'as cru me la mettre, hein, monsieur. Voilà, c'est dommage qu'il n'y ait pas de chauve, hein, sinon je me serais éclaté à dégommer les petits crânes de chauve. Voilà, madame. Hop. Par contre, je sais pas si c'est faisable en zombie. Je vous dirai quoi. Je vous mettrai une annotation si c'est faisable parce que je l'ai pas testé du tout. Non, j'ai pas tout trouvé parce que l'écran n'est pas activé. Normalement, il devrait y encore avoir des têtes à dégommer. Bon, normalement, ça devrait être... Bon, je vais bien vérifier dans tous les recoins parce que des fois ils foutent ça dans les recoins, c'est assez terrible. Voilà, c'est bon. Voilà. Donc une fois que vous avez dégommé toutes les têtes, vous avez l'écran donc Activision qui s'affiche. Voilà, vous voyez que c'est pas un montage vidéo. Je fais pas ça pour rigoler. Et on peut jouer. Voilà, à des jeux Atari. Voilà, on peut bouger. Vous voyez, c'est trop bien fait. Enfin bref. Alors vous appuyez sur A. C'est pour interagir, hein. Donc il n'y a qu'un seul bouton, je crois que c'est l'Atari, enfin si le joueur du grenier regarde cette vidéo, mais ça m'étonnerait, il me semble que c'est l'Atari. Il y a 4 jeux différents, donc on peut choisir, genre ce jeu-là, on appuie sur Star, et on a un petit bonhomme, voilà, qu'on peut déplacer, etc. C'est assez marrant d'ailleurs, parce que moi j'ai jamais joué à l'Atari de ma vie, et d'y jouer comme ça, enfin si c'est l'Atari, je vais arrêter de dire que c'est l'Atari, parce que je ne sais pas en fait. Voilà, donc là je me suis fait bouffer, d'accord, par un canard, je sais pas. J'avais réussi à passer, je crois, le niveau. Je sais pas trop ce qu'il faut faire. Enfin bref, je sais qu'il faut gagner des points, etc. Qu'il faut se balader sur la map. Et vous voyez, c'est carrément mieux de faire un truc comme ça, vous voyez, plutôt que de se casser le cul. Bon, toi, tu me casses les couilles, putain de canard de merde, bah. Voilà, donc c'est mieux de faire ce truc. Il y a même des gars qui râchent sur les jeux d'Atari. Ah, bref, c'est mieux de faire ce truc plutôt que de se casser le cul à faire transit. Malgré que je sais que ça va nous servir pour les prochains secrets. Ça, c'est sûr. Voilà, j'y suis passé alors qu'avant je suis pas passé, hein, je ne sais pas trop pourquoi. Ah oui, là il y a un chien, j'ai jamais compris comment il fallait faire. Est-ce qu'il y a un bouton pour se battre? Non, bah non, le chien il me fout carrément à l'oseille. Bon, je vais passer vraiment vite fait, hein, sur les jeux, les amis, parce que bon, ça risque d'être très long. Ah, il y a un lingot d'or au fond. Ouais, super, enfin bref, voilà. Vous imaginez qu'on peut le faire en multijoueur, ça quand même, hein. En partie de... Je sais pas si c'est faisable en recherche et destruction. Genre le mec il pose sa bombe et après il va jouer à ça. Enfin, ça doit être marrant. Si un mec qui regarde cette vidéo et puis qu'il est tenté de faire ça, qu'il le mette en vidéo, j'aurais bien à recevoir justement sa vidéo pour regarder, pour taper une barre quoi.
Bon, déjà le temps de dégommer toutes les têtes, ça va être un peu chaud. Ah super, j'ai dépassé, enfin bref. Voilà, donc vous avez un petit aperçu du jeu vraiment vite fait, c'est vraiment sympa, enfin moi perso j'aime bien. Bon d'accord, c'est un peu buggé, c'est pixelisé, mais je veux dire ça vaut le coup quoi. Ah voilà. Allez, on va changer de jeu. Alors le deuxième jeu, celui-là, j'ai jamais compris ce qu'il fallait faire. Je sais que dans le truc, on voit le mec là, il fait genre ça comme ça, puis ça ouvre les trucs, ou alors... Ah, attendez, il faut peut-être le... mettre dans le coin, non? Non, je sais pas trop, il faut péter ça en fait. Je sais pas du tout ce qu'il faut faire. Enfin bref, c'est quelqu'un qui sait qui le met dans la description. Le troisième jeu, c'est un genre de machin qu'il faut récupérer. Enfin, il balance des je sais pas quoi, voilà, des souris. Il va falloir les récupérer genre comme ça. Enfin quoi, j'aime bien faire le con, hein, voilà, de faire droite à gauche. C'est tellement simple au début que forcément on n'a pas besoin d'être super concentré. Et dès le moment où il y a une petite souris, voilà, qui arrive en bas de l'écran. Ça explose et c'est le... Tiens, une vie, ça va trop vite là, oh, ça va pas la tête. Ah bref, voilà, c'est assez sympa aussi. Enfin, moi perso j'aime bien. Et on va faire le dernier jeu, donc ça c'est un truc d'Avant Chasse, enfin je crois. Alors, il faut toujours appuyer sur Star, hein. N'oubliez pas d'appuyer sur Star quand vous changez de jeu. Donc RB pour changer de jeu et Star pour commencer la partie. Voilà, donc là on récupère donc de l'essence, je sais pas trop, enfin j'arrive pas à voir la jauge. Et on doit détruire sur notre passage des trucs, on peut péter les bidons d'essence, machin, enfin bref, voilà, c'est assez sympa, ça, c'est sympa comme jeu, et des fois on rentre même dans des porte-avions parce qu'on est kamikaze, hein, voilà, et faut pas rentrer dans les, enfin faut pas aller sur le vert, faut rester dans le bleu, enfin bref, c'est les vieux jeux de l'époque, moi perso j'étais trop jeune, j'étais trop jeune et... Et c'est vrai que j'ai pas vraiment joué à ce genre de jeu. Ah, va doucement. Oh là là. Ah mais c'est sympa. Enfin moi perso j'aime bien. Je pense que ça vous plaira justement de faire ce truc avec vos amis. Vous pouvez jouer à plusieurs, je crois, en même temps. Non, ça serait complètement con. Ce serait genre comme à l'époque. Ouais, tu viens jouer à la console chez moi, comme disait genre du grenier. Et finalement, on aura de son pote jouer. Enfin bref, voilà. Bon, sinon j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous fera plaisir de découvrir un petit peu ce petit truc bonus. Je vous invite à commenter, à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis. Je vous retrouve dans très peu de temps pour l'épisode 2 de conseils en survie de Black Ops 2, donc Surville. Et également du Hitman très bientôt, donc le Let's Play de Hitman Absolution. Voilà. Allez, ciao, bye tout le monde, je vous bisous, smack, salut.